Nous sommes avec nous aujourd'hui là et équipe KPKL et nous avons dit équipe ingénieur technique. Nous allons faire un festival avec eux déjà. Bonsoir, comment nous sommes? Nous saluons tout auditoire là, tout internet. Donc aujourd'hui là, nous remarquons les canaux là lui-même, les bails nous ont défi, nous les villes. Et bon, c'est ça, capable de faire en pile et la joie dans nous et qu'on soit capable de mettre et la joie dans les gens qui ont canal là. Donc dis-nous, comment nous comprendre la situation qui est présentée au niveau du canal de la journée, surtout et ça arrive à massacre à faire. Bon, disons que vous avez remarqué hier soir, l'eau a monté à plus de 5 mètres de hauteur. Donc lorsque nous étions inquiets, lorsque nous étions arrivés, nous estimions que nous-mêmes nous étions confiants. Notre travail que nous avons fait en poste, nous avons pris avec toutes les normes disciplinaires pour respecter ça. Et ça fait nous-mêmes nous confiants. Donc la joie, nous avons fait un jeu, certes, mais beaucoup de panneaux, nous avons reconnaître ces résultats. Ok. Alors, et pour vous-même, nous partons malgré tes gains et tout niveau de dossier qui a passé dans l'espace. Non, nous ne sommes pas du tout, pas du tout. Ok. Avant même nous avancer, nous avons fait un petit temps de l'autre confrère. Déjà, nous avons dit bonsoir, comment vous êtes. Abdi, bonsoir à tous les gens qui sont venus. Et nous sommes ingénieurs de Mondeville. Avant même que nous parlions au niveau du travail et de la massacre, nous avons dit que nous avons passé sans passer. Et bien, nous, quand c'était un ingénieur qui participait à notre travail, il y a soit c'est une grosse fierté pour nous. Mais c'est ça, nous avons passé à lui, qui est ingénieur senior. Qui est ingénieur Ronald, ingénieur Simon, ingénieur Claude Louis, ingénieur Ewalco, ingénieur Tania, ingénieur Ludiana, et puis ingénieur Dieu. Ingénieur Emmanuel, vous avez dit Mbakin de tout. Ingénieur Marcellus, ingénieur E. Vous avez dit tout gros couteau de garçon, ça, gros héros, ça, qui fait travail, ça lien, nous ne pouvons pas passer sur nous pour ne pas saluer. Et nous avons tout boss qui ont participé, équipe ferraille, équipe charpente, formant nous, nous avons formant Jeudis, nous avons formant Papo, Mont-Louis, Jose, tout gros nex à nous ne pouvons pas capable passer pour ne pas saluer. Nous avons, comment tu demandes? Ok, alors pour avancer et nous très reconnaissants envers l'équipe ça qui était pour l'initiative ensemble avec nous pour permettre à ce que nous réaliser et canal ça. Ok, très bien. Et travailler soir, nous pouvons montrer encore Haïti des monde qui formé techniquement. Tout ingénieur ça a sollicité nous. Ça veut dire que ça c'est des erreurs. Tout côté on nous voit. Normalement, il y a deux côtés protection pour messieurs ça, parce que pays a besoin de tout ingénieur ça. Disons que canal Rivière Massacre, plus précisément descendre hier soir, qui donc les fait un pile causé et qui donc les dégage un pile l'eau dure et qui donc nous réussissons ça. Et comment que nous sentons nous en tant que des ingénieurs qui sont présents là dans ce moment là? Pour commencer, peut-être canal là pour nous-mêmes si on réussit, jusqu'à preuve du contraire. Donc peut-être notre plan, c'est ok. Ensuite, nous gagnons le soutènement qui va être pour col, mais qui est en face là. Donc je pense que plus tard, l'ingénieur Cléomé a bien pour l'abonder sur lui. Mais nous gagnons curage, nous supposons faire d'abord dans le canal principal. C'est plus bas pour tout qui est en terre battue. Mais nous gagnons travail pour le faire également dans le canal secondaire. Donc si nous ne faisons pas ça, c'est sûr et certain. Lorsque l'eau descend, la blessé, l'espace qui a aménagé pour lui, pour l'envahir à peu près. Et puis nous avons un handicap pour nous faire des deux côtés également. Donc ça qui cause que, et plus bas, et trop plein, pour que nous avons un travail, nous avons d'aller faire là. Donc ça m'a dit que nous-mêmes en amont, nous avons un travail technique pour nous faire, afin que nous continuions dans d'aller. En cas de... Et concernant le canal là, exactement par derrière, côté que nous avons mieux, nous avons pour des déviations, pour nous travailler dans les mineurs là. Et nous avons besoin d'environ 200 camions. 2500 camions anglais, et nous avons besoin de 200 camions roches et galets. Qui permettent de nous faire continuité camions en amont et puis camions en avant. Et puis nous avons un tirage
tout au plein ingénieur Paul Bonnet qui passe le désert. Oui, concernant le curage, parce que lorsqu'on gagne le cap descend, si on ne peut pas curer, on ne peut pas avoir une dimension que c'est la date, c'est sur certains, doit la blesser le canal là et puis la monter. Donc ça peut causer des dégâts, des dommages irréversibles et des dégâts préjudiciables. Donc on évite tout ça. Parce que d'habitude, l'eau qu'on a habitué en bas. Et hier soir, le travail que nous faisons, nous pouvons nous sur technique, parce que l'aide de Massa Grigny, nous pouvons monter. Donc, il monte certes, mais il était dans l'île mineure rivière. Donc, si l'auteur a côté assez normal, l'eau a traversé Gabion, parce que Gabion et Gabion, il laisse l'eau passer. Donc, lorsque l'eau a entré dans la base Gabion, les jeunes terres naturelles là, en bas, donc il n'est pas débordé. Mais à la nuit, il montait plus haut, à 6 mètres 50, et nous disons, c'est sûr certain, il doit traverser pour le vin dans l'autre là. Donc, c'était plus de peur que de mal. Donc, avec toute humilité, nous ne pouvons que travailler noir dans cette canal. Donc, c'est curage que nous faire. Et nous pensons que le comité va mobiliser pour faire ça. Donc, c'est dans le dernier moment, ça va avoir les moyens pour ça faire le travail. Jacques, nous avons gardé Rivière Massacre là, et pendant la soirée. Et selon un peu le monde au niveau de la localité, il dit que et ça, c'est un simple petit jouet. Et donc, en cas de prévention, si toutefois que Rivière Massacre descend avec plus de l'eau, et comment nous compter et avancer avec l'espace là, en cas de prévention? Bon, techniquement, j'en ai dit tout à l'heure, nous avons un gabion pour nous faire en amont, nous avons un gabion pour nous faire en avant. Quand il y a, là, nous faisons un gabion, nous avons un remblayage pour nous faire par des deux gabions, pour nous permettre la rivière en prix qui va causer affluent. Et c'est ça que nous. Peser sur ça, nous dit ça c'est un impératif. Nous ne sommes pas capables de faire. Depuis que nous ne pas faire travail ça, ou voyagement pas bien durabilité. Ok. Alors là, et comme quoi que nous connaissons, le canal ça lui-même, nous sommes capables de dire, et son canal, depuis qu'il touche, peut pas ici en doute, c'est 1, 2, 3, 4. Qu'il est nous prévoir et avancer avec les questions de gabionnage pour que nous-mêmes nous atteignions l'objectif. Je pense que les questions de gabionnage, là, tu as su faire le plus rapide possible. Mais à force de l'eau à descendre dans le moment ça, là, nous pas qu'à moyen. Donc, aussitôt que l'eau a commencé à baisser, et comme il a fait tout ça dépend de lui-même, surtout, dans la précision encore, qu'on n'a pas les moyens. Hein. Donc, ça fait, nous réitérer attention, donateurs, parce que là, la patrie en danger, l'ouvrage est en danger. Pour nous assurer la pérennité, l'ouvrage noir, viabilité, on est obligé de travailler là-dedans. Donc, aussitôt que l'eau vient à baisser, nous espérons qu'on attend que les collègues commencent à faire pour nous continuer de gabion. Parce que nous avons besoin de minimum 20 mètres de gabion en amont et en aval. Minimum, dans la rive droite, et la gauche, minimum 20 mètres. Donc ça vient nous au moins en 80 mètres de gabion. Minimum. Hein. Donc pour nous commencer à assurer et payer nos ouvrages. Alors là, et là nous sommes parlé des gabions. Et pour que nous touchions un point qui est très important encore une fois. Et ingénieur Loubène, c'est dit nous non, la question et Vanne qui est pour nous faire des modifications dans nous, comme quoi qu'il doit être fait. Il aurait fait la dame, dit nous non, qui nouvelle, processus nous voilà d'amener là. Je pense que concernant Vanne, quand la question est faite là, on a précisé encore que Vanne est pour le financement avec. Donc, ça nous place là, c'est parce que le pays a insisté que besoin d'eau, ça que nous avons retiré l'indiquement. Donc, parce que nous avons retiré l'indiquement, bon volume d'eau qui a rentré. Donc, nous sommes obligés de placer. Et ça, en attendant pour nous camper et pour nous mettre en place pour nous entrer. Ok, ingénieur Cléomé, dis-nous non. Est-ce que vous avez fait une modification au niveau de Vanne, surtout avec le bassin de sédimentation qui est très nécessaire? Et selon vous, qu'est-ce que vous avez fait pour que le bassin ait une faiblesse? Et nous avons un petit détail. Bon, sur le plan technique et familial, vous confirmez, vous avez toujours dit ça. Nous avons des filières, des filtres, donc il faut faire au Sénat international dans le PVE au niveau des États-Unis. Ça veut dire que nous n'avons pas de machine shop à Haïti pour faire le type de filières. Et puis, ça qui a fait avec le bassin sédimentation, nous supposons pour nous faire le bassin sédimentation, nous supposons couper 40 à 60 cm plus bas. Mais à force que pas de moyens, nous avons quitté le travail en réserve. Maintenant, 2,6 km de canal, nous avons 3 bassins de sédimentation pour empêcher le travail planté à sable. Ça veut dire que nous avons un petit sable, un petit roche, depuis que nous avons un jardin planté pour qu'il ne fasse pas de encore. Ça veut dire que le bassin de sédimentation, c'est un impératif dans le travail qui était pour nous faire.
Alors là, bien fond canal là, nous avons béton pour nous faire dans pavage canal là. C'est un impératif encore. Faut nous faire ça. Parce que si nous ne faisons pas ça, le travail nous n'a pas bien durabilité. Alors, et est-ce que l'équipe là lui-même nous déjà gagné fixé sur ça, notre technique pour que nous atteignions avec tout le point ça va nous toucher là? Oui, très bien, nous très technique. Et puis nous, ces donations d'apprendre, les gens qui ont fait un canal à salier, c'est eux d'apprendre pour travailler avancer vers le mieux. Alors là, je ne sais pas aussi toutefois. Nous connaissons pour bailler capable avancer, il y a des gens qui suivent nous, mais il y a des gens qui ont besoin de faire quelque chose tout et de bailler quelques infos. Comment nous sommes capables de partager ça? Bien avant que nous avons ce point ça, encore une fois, j'ai la question de faire approche là. Il y a une homme d'âme et population avec nous. Ingénieur Ronald, ingénieur Simon, ingénieur Claude Melorville, ingénieur Lubent, ingénieur Tania, ingénieur Ludiana, ingénieur Iwalko, ingénieur Claude, et il y a un autre groupe de garçons encore qui sont ingénieur Marcellus, ingénieur Ed. Je l'ai dit oui, je pense que non sans souci. Je l'ai Emmanuel encore, voilà. Donc, mon ça aussi. Présenter tête canal là. Mon qui te présenter tête canal là, comme c'est lui. Je l'ai Emmanuel. Ok. Je pense que mon ça, ce sont des jeunes garçons qui te mettent énergie. Très fougueux. Voilà, très fougueux dans le travail là. Donc, je pense que tout le monde sommes sur cette là. Je pense que les jeunes ça, c'est eux-mêmes qui mettent courageux pour faire travailler ça. Donc, personnellement, et nous avons besoin de conseils techniques. Okay? Oui. Après cette technique, beaucoup de PAM c'est 40-70-04-03. 40-70-04-03. Mais nous avons noté, pour toute donation, c'est Pasteur Moïse, c'est Monsieur Gaston, et puis numéro contenant, s'il vous plaît. Donc, si on nous voit encore pour l'autre monde, donc ça c'est comme nous on veut évaluer. Donc, soit faites donc pour le canal là, pour le travail là, continuer. Si vous voulez le travail là, continuer. J'ai envie de commencer à faire là. Pour l'aboutir, c'est Pasteur Moïse, Monsieur Gaston, et puis numéro contenant, s'il vous plaît. Ok, tout le numéro c'est pour conseil technique vous besoin, pour encourager vos besoins à avancer. Mais, numéro contenant, c'est Pasteur Moïse, c'est Pasteur Moïse, Monsieur Gaston, et puis numéro contenant. Et vous même ingénieur. Le numéro comme c'est 41-16-72-99. Et avant même que nous allions, il y a un média qui a fait un gros travail énorme. Travail impeccable. Nous avons une réalité TV, et puis nous avons une promo, et puis nous avons TAFA, nous avons un pile d'autres médias, nous n'avons pas fait un bénin. Nous avons fait un gros travail pour le canal là, qui fait le canal là, saluer nous dire. Et nous disons, M. César, il y a un pile d'énergie, et nous comptons. Nous demandons que vous toujours motivé pour le canal là, pour l'avancer. Pas quitter diversion. Tout ça, nous sommes sur les réseaux, c'est le père Médianine. Parce que Médianine, c'est lui qui force le pays. Mais le père Médianine, parce qu'il y a un oligarque. Et Médianine, la PTD, il y a un père. Mais il y a peut-être chaud, il y a une diffamation pour vous faire, pour vous affaiblir. Et nous ne pouvons pas camper, nous clés sur ça. Nous appuyons les médias et les médias ne sont pas en droit de paix. Nous pas paix et nous pas paix encore. Répondez le numéro pour nous en cas de conseil. 40-70-04-03. Numéro comme c'est 41-16-72-99. Rappelez-nous de nos bonnes finies. Ingénieur Cléomène. Ingénieur Lubens. Merci.